Oh. Ah, ça y est, tout fonctionne, impeccable. Alors, du coup, je reprends exactement là où je m'étais arrêté la dernière fois. Hein. La dernière fois, c'est-à-dire hier. Je pensais avoir plus de temps cet après-midi, mais au final, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Donc finalement, ouais. Finalement, c'est que ce soir que je peux reprendre. J'espère qu'on va commencer doucement et que ça et qu'on va pas essayer de me flinguer toutes mes munitions d'entrée de jeu. Ah ouais, vous avez le droit de m'en donner, ouais. Ça, je suis d'accord. Y a pas l'air d'en avoir d'autres, donc. Ok, y a pas de souci, je continue. Pas vous mentir, je me suis un peu chié dessus et le réflexe où je me suis chié dessus, c'était de le frapper. Ok. Ah, ça va, heureusement. Ça va, au moins j'ai les bons réflexes. Ah, les bons réflexes défensifs plutôt. C'est déjà ça. C'est les PV. Les PV. Enfin, assurer sa survie avant de se chier dessus. Quel plaisir. Mais bon, finalement, je suis pas revenu en arrière. Non, je suis pas revenu en arrière. J'ai cru fort. Hein. Ah, bah voilà. Ah, c'était sûr qu'il y aurait un truc quelque part. Ah putain, c'est déjà de la lecture. La défaillance qui a causé le dégel et la perte de deux corps la semaine dernière s'est reproduite. Nous avons pu passer la majorité de la section 1 en commande manuelle avant que la température ne soit trop élevée. J'ai toujours des soupçons sur les officiers du gouvernement auxquels nous avons refusé l'accès la semaine dernière. Je n'ai pas de preuves, mais je ne crois pas aux coïncidences. Nous allons reformater le système ce soir pour écarter tout risque de virus, je m'en assurerai personnellement. C'est sûr que je ne sais pas ce que vous êtes en train de stocker hein, dans vos cuves là. Mais bon, vu ce qui traîne dans les couloirs depuis le début, ça ne peut pas être. Oui, en entendant les bruits là aussi, forcément, ça peut pas être. Ça peut pas être quelque chose de bien. Quoi. Je vais juste m'assurer que toutes mes armes sont chargées avant de faire une quelconque bêtise. Ou avant de devoir recharger devant l'ennemi. Ok. Ok, vous m'avez eu deux fois d'affilée. Vous m'avez eu deux fois d'affilée, très bien. Sur au même endroit en plus, donc ok. J'ai compris. Vous voulez que j'aille moins vite et quand je passe à côté des cuves, c'est noté. J'en prends bonne note. Ah, ça va, encore une fois, j'ai eu le réflexe. Bon, je sais pas si je lui ai mis une balle dans la tête. Mais Et je pense que je lui en ai mis une dans la cuisse. Je pense lui en avoir mis une belle dans la. Je crois que à chaque fois au bout de trois membres coupés, il me lâche un butin. Je suis pas sûr, mais je crois. Faudra que je vérifie. Faudra que je vérifie cette théorie. Ça a pas l'air d'être le cas. Putain, il me reste déjà plus que deux balles, quoi. C'est ouf. Ah. Je peux fouiller les cadavres en leur balançant des membres. D'autres? Ouais. Ah, on aurait pu. J'aurais pu lâcher une phrase à la Hancock. Ah putain, c'est pas vrai. Merde. Lucille, ta tête va finir dans son cul. J'ai plus rien à acheter.
On va éviter d'utiliser le fusil à pompe. Je sais pas pourquoi il prend le fusil à pompe à chaque fois en deuxième arme, c'est ouf ça. Après, si c'est des mobs, si c'est des monstres qui sont gelés, à mon avis, le lance-flamme, ça devrait faire son petit effet. Ah bah voilà, il suffisait de secouer un peu les cadavres là, et là on a du butin. Peut-être pour ça que je suis en galère de munitions depuis le début. Alors, problème, cercueil de la crypte bloqué sur les voies, état, voie d'arrivée des cercueils examinés, un cercueil coincé à l'intérieur, gravité rétablie, cercueil déplacé par Telik. Je m'en fous. Ah, je m'en fous de ouf, les gars. Dana, j'ai localisé la sortie, mais c'est au-dessus de moi. Les commandes de gravité sont verrouillées. Dana ? Parce que, autant quand c'est des histoires entre les personnages, il n'y a pas de soucis, hein, genre je suis le premier à les lire. Autant, j'ai vu un truc briller. Merde. Autant si c'est juste des vieux rapports comme ça, je m'en fous un peu, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut monter. Vous m'entendez? Vous devez monter. Ouais, il faut monter, mais en attendant, j'ai eu un schéma plutôt sympa, quoi. Oh, et puis il y a des points de force et tout, je vois pas pourquoi j'aurais fait... Enfin, ça aurait été une mauvaise idée de venir là. Faut que je l'empêche de tourner, là. Ouais, c'est le truc qui... De toute façon, ça, c'est ce qui permet d'avoir la gravité, donc on va éviter de faire des bêtises. Est-ce que ça s'appelle une centrifugeuse? Je sais pas, c'est le mot qui me vient, mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Ah, il faut que je le pète, c'est ça? Eh bien, soit. Je peux mettre des morceaux de... De quoi dedans? Je peux pas jeter de gros trucs dedans. Si je le ralentis, peut-être. Ah, le feu, c'est quand même un peu... C'est quoi, ça? Ah bah voilà. Et bien, un, deux... Allez, petit troisième. Là, je les désactive et je vais pouvoir voler, c'est ça? Attention, diagnostic des systèmes de la crypte. Les cartes d'or sont activées. Interdit sans accès technique. J'ai pas compris. Hein. J'ai accès à un truc au-dessus, c'est ça? Ah non. D'accord. Oui, j'ai accès au frein. Très bien. On croirait la machine de Docteur Octopus dans les films Spider-Man. C'est assez ouf. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais encore balancer des trucs dedans? Quand même pas, il me manque... Non, il me manque des bras en fait. Ah, tiens, j'ai eu du mal, hein, je...
Et du coup... Parce que là, il reste quand même un... Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais il reste un morceau qui tourne. Ah, ça y est, ok, il y a le troisième bras. Voilà. Gravité à présent désactivée. Et là, je vais pouvoir... Oh, putain. Ouais, par contre, si l'hélice, elle tourne, moi, je vais pas faire le malin. Je peux pas. D'accord, très bien. Ok. Et... Ah ouais. Vous allez m'en lancer un quand même. Enfin, m'en lancer un. C'est une blague. Je peux pas. Je peux mourir du truc, mais je peux pas aller dedans. C'est quoi le délire? Faut juste que j'attende qu'ils fassent la livraison des bordels là. Alors, heureusement, ça a sauvegardé au moment où j'avais déjà fini. Ah ouais, d'accord. Ici, c'était ça, mais il fallait juste forcer un peu plus. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, il n'y a rien d'autre en hauteur. J'aimerais quand même... Voilà. Je me pose. Sortie zone sans gravité. Bivac. Saloperie. Ils servent d'un appareil mobile pour brouiller le signal. Que quelqu'un me trouve la fréquence de cette saleté. Ils ont sûrement un hélico pas loin de l'enclos. Alors, on fait quoi? Bon. S'ils savaient où on se cache, on serait déjà mort. Oh, merde! On perd le signal! Ah, je suis heureusement que j'ai les sous-titres, hein, parce que sinon j'aurais pas compris ce qu'elle avait dit. Hein. Genre, suivez le traceur. Oh, comme c'est pratique. Découpeur, kit de soins moyen. Ouais, mais j'ai un peu cheese le jeu sans faire exprès. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà toutes les armes. J'ai déjà toutes les armes alors que je les veux pas forcément. Ouais, voilà, c'est que maintenant que je suis censé avoir le découpeur. C'est dommage. Ouais, ça, c'est un peu naze le système qu'ils ont fait là-dessus. Après, on pourrait me dire, ouais, mais tu peux encore virer toutes tes armes et tout. Ouais, mais je me fais, ouais, mais j'ai déjà passé une heure à les acheter. Hein, c'est pas maintenant que je vais les virer, quoi. Ça me fait bien trop chier. Et vous en rappelez aussi, hein, quand il a fallu choisir une armure et tout le bordel, hein, c'était long. Hein. Ah. Très bien. Ok. Je sais pas pourquoi le courant est revenu quand je les ai ouverts, mais... C'est une sauvegarde quand même, donc je le prends, hein, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est gratuit. Alors je prends. Ah, j'avais pas vu l'imprimante. Ouais. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a un truc qui est sorti? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis? Pas un butin magnétisé là-dedans? Non. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai eu un ticket de 1000 balles, je vais acheter un autre point de force.
Voilà. Et je vais aller direct. Je vais aller direct à la à l'imprimante 3D. Améliorer le lance-flamme. Est-ce que j'améliore le tir alternatif? Je ne sais pas. La capacité, ça me semble être une bonne idée. Ouais, je vais aller vers le plus 4 de dégâts. C'est-à-dire que j'aurai 3 fois les dégâts initiaux du lance-flamme. Et ça me botte bien. Et je vais sauvegarder. Comme ça, après, je m'enfile directement dans les... dans la tuyauterie. Et on se casse. Toujours en espérant ne pas me faire planter dans les couloirs. Je me suis pas fait planter, mais c'était sur ma liste des choses qui pouvaient arriver. Hein, éventuellement. Maintenant, il faudrait juste que ma lampe ne me lâche pas. Parce que si j'ai plus de lampe dans ce jeu, je suis foutu. Hein. Je ne vois rien du tout. Heureusement que les munitions et tout ce genre de conneries, ça brille. Parce que sinon, je ne vois rien. Ouais, il y a encore le délire du culte du monolithe, ouais, ça a été un plaisir. Un plan dans le trancheur, ouais. Vous me filez un peu trop de balles là, ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Oh merde. Oh, j'espère que je peux quand même le récupérer. Pas tout à fait ça que je voulais. Merde. Ah, je peux même pas spammer comme un bourrin pour les... Ouais, c'est tant pis. C'est foutu. Pour ces balles-là, on abandonne. De toute façon, c'était probablement du cutter laser. Vu que c'était une cartouche orange. Alors attends gamin. Voilà. Vous aimez pas le cutter. Donc ça m'arrange comme ça, j'ai pas forcément besoin de bouffer beaucoup de balles de lance-flamme sur vous. Ça fait des dégâts de monstre, hein, ce truc. Ah, j'ai bien fait. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr que ça me filerait... Il faut que j'éclate tous les... Maintenant, à chaque fois que je buterai un mec... Ce qui est bien, c'est qu'avec le lance-flamme, en fait, il meurt... j'ai envie de dire pour de vrai. Parce qu'en fait, tu sais qu'il meurt à partir du moment où il te lâche un butin. Avec le cutter, c'est pas aussi évident. Avec les autres armes, non plus. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que si je bute quelqu'un avec une autre arme que le lance-flamme, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les écraser. Comme ça, je suis sûr de loot des munitions. Oh, ça me dit quelque chose, ce genre de conneries. Je suis pas passé déjà de l'autre côté? Ah, ça me fait penser à... Putain, la vache. Ah, je sais pas s'il a pris. Lève-toi Isaac, c'est pas le moment. Si, il a dû prendre. Oh putain, les gremlins. Oh, c'est le gang des bébés morts. Ok, j'ai compris. Je lance flamme, les gars. Non, laisse-moi tranquille, si. Je ne t'ai pas appelé. Ah! Cassez-vous. Oh la vache, le butin.
Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi! Merde, putain, Charles. Oh, le goulot d'étranglement. Oh là là, ta pire vie. C'est ta pire vie, mon pote. Ah. Alors, petit gang de merde, gars. Ouais, toi aussi, t'en veux? J'entends à gauche. Ouais. Vous sous-estimez beaucoup mon lance-flamme, je trouve. Ça ne me plaît pas du tout. Mais oh, le butin que je viens de me faire. Incroyable. Incroyable. Et ça, en moins d'un seul chargeur de lance-flamme. Et ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est du rendement. Pas besoin de kick-cutter laser. Pas besoin de lance-pieux. Pas besoin de lance-roquette. Ouais, j'ai juste besoin d'un lance-flamme. Fidèle au poste. Pour tout décimer sur mon chemin. C'est pour ça que je... Et pourtant, c'était une amélioration qui partait sur une arme au pif, hein, au début du jeu. Je voulais juste un peu changer de mon build que j'avais dans le 1. Ça m'a bien plu. Je pense que c'est un des meilleurs choix que j'aurais pu faire. Juste peut-être... Est-ce qu'un level 2, c'est... Ouais, ce sera peut-être un peu trop. Ouais, j'ai bien fait de prendre un level 1. Parce que là, pour un level 2, à mon avis, il me manquait pas assez de vie pour que ce soit rentable d'utiliser un kit de soins moyen. Il y en a encore ? Oh, là, par contre. J'allais dire ceux qui explosent, je préfère les faire au cutter. Ah si, ils continuent à brûler, ouais, c'était bien. J'ai bouffé un peu beaucoup de balles. C'est quoi toi? T'es quoi? T'es un crasher. Ok, très bien. Ouais, tout le monde n'a pas le... ne réagit pas de la même façon au feu. Il y en a qui sont... Il y en a qui reculent facilement une fois qu'ils prennent des dégâts, alors que d'autres, beaucoup moins. Ah, d'accord, très bien. Il est où ton deuxième pote, là? Il est en face, ok. Y'en a pas d'autres qui essaient de me back? Je crois que si. Non? Y'a personne qui essaie de me back? Incroyable. Eh. Même en explosant, ceux avec le... Enfin, les kamikazes. Ils lâchent pas tout le temps du butin, c'est ouf ça. Je suis le décimeur. Bah c'est pas mal. Il vaut mieux ça plutôt que ce soit moi qui me fasse décimer la tronche. Bon, au moins, la salle est clear. Moi, j'ai loot tout ce qu'il y avait. On aura plus de mobs. J'ai eu du butin. Ça me va. T'es mort vachement vite. C'était censé être une menace? Je me suis pas trop senti menacé, là. Bien. Toi, t'es menaçant, par contre. Même si t'es pété en deux. Tu veux dire... Putain, la vache. C'est toujours Nicole qui finit par me parler à travers le putain de monolithe.
sacré bordel quand même. Hein. Dana, vous êtes là? Je suis en haut de l'église. Vous y êtes presque. Je vous attends près de la navette. Je suis en train de monter quand même là ou je suis en train de descendre? Ah, j'imagine que... Ah putain, c'est pas... Au moment où je me pose la question, quoi, genre... Ah, les mecs, ils ont vraiment les... Ils gèrent quand même vraiment bien leur timing. Ah, ce que vous entendez, c'est le cadavre qui est en train de bugger dans l'ascenseur. Ne vous en faites pas. Tout va bien. 800 balles. Et là, un peu de lance-flammes. Tout pour me mettre bien. Oh, puis des points de force et tout. Oh là 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 là. Mais vous me mettez bien. Détonateur. Ouais, mais ça, pareil. Je l'ai déjà. Parce que du coup, en fait, je pense que mon lance-flamme est juste pas censé être aussi puissant à ce stade du jeu, quoi. Parce que. Déjà, de 1, je l'ai pas payé. Et de 2, bah, il est déjà à puissance x2, alors qu'on est en early, quoi. Vous êtes qui, putain? Vous êtes unitologue? Évidemment. Pourquoi je vous ai cru? Vous n'aviez pas le choix, Isaac. Quand j'ai parlé du remède, vous avez marché. Pourquoi vous faites ça? Je l'avais call, hein. Vous pas me foutre la paix pour changer, hein? Vous êtes très dangereux, Isaac. Le gouvernement ne veut pas vous voir détruire son précieux monolithe. Après tout, c'est votre œuvre. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pour ça que vous êtes ici. Construire des monolithes, répandre sa glorieuse convergence à travers la galaxie. Je rêve, vous êtes complètement cinglés! Donnez-moi ce putain de remède que je me casse! On n'a pas l'intention de vous soigner, Isaac. Votre précieux petit cerveau nous convient parfaitement comme ça. Mettez-le dans la navette et plongez-le en état de stase. Il serait regrettable de le voir mourir. Lâche-moi, salope! Merde. Lâche pas, Isaac! Lâche pas! Oh putain, ce genre de chute à la Evil Within! Oh putain, encore toi! Oh bordel! Ah, t'as pas kiffé, hein? Oh merde! Ah putain, la vache! Oh la vache! Ouais, ça dégage ton bras là! Oh putain la vache! Et je dois me barrer ou? Ou pas? Il fallait que je me barre. Parce que moi, il m'avait tourné vers lui, face à lui, du coup, moi, je me suis dit... C'est-à-dire que je le fight, mais pas du tout. Je vais essayer de me buter ou de m'aider, là? Ah, ça doit faire tellement mal. Oh merde.
Mais je vais mourir là. Ça? C'était sûr. C'était sûr parce que j'ai mis trop de temps à comprendre qu'il fallait que je tire et j'avais le lance-pieu pour une raison assez obscure. Ouais. Dès qu'il y a des trucs scriptés, j'ai beaucoup de mal. C'est ouf, hein, j'ai beaucoup de mal à saisir. Me lâcher, bordel, lâche-moi! Et il va me buter encore. Pourquoi le lance-flamme il a marché jusqu'ici? Il a marché à toutes les phases d'avant. Pendant toute la cinématique d'avant, il a fonctionné. Et là, purée. Donc là, à mon avis, soit il y a quelque chose que j'ai pas compris, soit c'est vraiment c'est le lance-flamme qui marche pas. Cette fois, je vais essayer la strat de tirer dans les bonbonnes. Putain la vache. Par contre, on va pas se mentir, c'est incroyablement stylé. C'est incroyablement stylé. Oh, patient 5. Isaac, vous êtes là? Vous me recevez? Qu'est-ce qu'il y a, Strauss? Tout est fini. Mon plan a complètement foiré. Non, c'est pas fini. Du moins, pas encore. Isaac, c'est notre œuvre. On peut la détruire. Quoi, le monolithe? Vous savez où est le monolithe, Strauss? C'est au siège étatique. C'est au siège étatique, le gouvernement. Mais il faut qu'on remagne. Mag. Parce que le temps presse pour moi, pour vous. Strauss, vous allez où? Ok. Bon, ça veut dire que, ouais, comme d'hab, les prisonniers, c'est nos potes. Et ceux qui disent, ouais, Isaac, allez, aide-moi, je vais t'aider en retour, c'est tous des enfoirés. Non, je l'avais cool au début du jeu. Hein. De toute façon, dans Dead Space, à chaque fois qu'il y a une meuf qui m'appelle pour me dire, je sais comment tu peux t'en sortir, tout le temps, c'est un couteau dans le dos. Hein? À la première occasion, là elle a essayé de me baiser. Bon, j'ai eu du bol, je me suis fait sauver par un des démons là. Donc c'est pas de chance pour elle. Mais sinon, moi. Par contre, je vais juste vérifier si je suis en plein écran parce que là j'ai un doute. J'ai un vieux. Si, c'est bon. Ouais, j'ai eu un doute. Mais ouais, à chaque fois qu'ils essaient de me dire je vais t'aider, machin. C'est tout le temps de la merde, c'est tout le temps un plan foireux, c'est tout le temps quelqu'un qui essaie de me buter, de m'utiliser ou de faire une expérience sur moi. J'ai l'impression d'être déjà venu dans cette salle. Je me rappelle des machines à laver là. Par contre, il me semblait pas qu'il y avait autant de sang avant. Mais excusez, je fais des... Ah si, j'étais allé là parce que la porte là était verrouillée. Je me rappelle. J'en suis persuadé. Oh. Il y avait du butin, sans déconner? J'ai pas vu. Ils veulent que j'aille de l'autre côté, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller partout pour vérifier là où il y a du butin. Je vois... Si, je vois un truc qui brille.
Mini-chercheur. Ah ouais, ça. C'est un truc que j'avais essayé au tout début contre le premier boss. C'était bof-tier. Je chopais que des munitions de cutter, donc j'ai abandonné son utilisation. Peut-être qu'il est devenu plus intéressant à utiliser maintenant. J'ai vu un truc bleu qui brillait au bout. Donc j'irai voir. C'est immonde. Ah, il y a un autre truc que j'aimerais changer sur les commandes. Le F pour le pouvoir, j'aimerais bien mettre. Impossible d'assigner. Ah, je peux pas mettre un bouton de souris. Quelle tristesse. J'aurais bien voulu mettre page arrière parce que. Pas fan de l'utilisation de F. Merde, j'ai. Ouais. Je vais voir si C s'était assigné à quelque chose, mais oui, ça l'était déjà. Peut-être V, alors, du coup, que je pourrais utiliser pour... Ouais, je vais faire ça, je vais mettre V. Parce qu'il me semble que c'est attribué pour rien d'autre. Hop. Elle est déjà attribuée ? V, c'est déjà attribué. Bah, allez. Nulle part. Commande nécro. Même ça, y a rien. Et vous mentez comme vous respirez. Moi, je vois pas de V. Écoutez, j'applique. Salut Wood, comment va? C'est quoi qui bip, bordel? Ah, faut tabasser le réveil pour qu'il arrête de bipper, quoi. Parce que B, oui, mais V, non? Bon, comme ça. Moi, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux faire de la télékinésie et appuyer sur E en même temps. Ils avaient peur de nous après les séances. Je m'en souviens. On était dans la machine pour les séances. Les étapes. Je me souviens pas de tout ça. Vous avez une sacrée veine. Car sinon, ils reviendraient vous choper. Qui reviendrait? Qui? Oh! Bah dis donc, est-ce que tu pousses vite? Eh, où tu Strauss, vas? Ne le suivez pas, il n'est pas réel. Putain. Le mec, il est en train de faire un bad trip pendant qu'il est en visio avec moi, quoi. Chaud, hein. Chaud, le gamin. Pareil, je suis déjà venu ici. Ouais, bien sûr que je suis déjà venu. L'ascenseur là, c'est au moins la troisième fois du jeu que je le prends. Putain, j'ai eu peur. Le directeur Tideman, les unités survivantes ont l'ordre de battre en retraite. Je répète, battez en retraite vers le siège étatique. Entrée en vigueur de l'opération. Ah, je peux pas leur mettre ce truc là. Nous devons nous préparer à perdre de nombreuses unités. Le directeur Tideman, les unités survivantes ont l'ordre de battre en retraite. Je répète, battez en retraite vers le siège étatique. Entrée en vigueur de l'opération fin de partie. Ah, j'ai fait une bêtise. Tant pis. Je voulais pas le couper. Mais je pensais que j'allais pouvoir ramasser quelque chose sur lui, mais pas du tout. Mais si, pareil, je suis déjà venu, je me suis fait agresser comme un singe ici. Ouais, si, je me rappelle. Bien sûr que je me rappelle. Je suis mort plusieurs fois d'ailleurs à cause de... des mecs qui venaient se suicider sur moi. C'est bien mieux avec V. C'est bien mieux. Évidemment. Oh, je vous connais, vous. Ah, vous aussi, je vous connais. J'aurais préféré ne pas vous revoir. Eh, putain d'araignée. Eh, putain d'araignées qui sont stockées dans son...
rapidement un truc. Il y avait un pieu sur lui, bordel. Oui bah. Vous êtes mignon, cassez-vous. Mais vous êtes combien avant? Non, c'est pas vrai. Ah putain, le saut! Ah la vache! Cassez-vous, j'ai plus de vie. Ah bordel! Je me demande si je peux les contrer. Mais c'est ouf ça! C'est ouf, vous allez super vite les gars! Ce que je me dis, ça se trouve, je peux les contrer mid-air avec un coup de poing bien placé, ça peut être pas mal. Bordel, il y en a encore un. Explose pas, please. Ouais, ça va. J'ai fumé tous mes soins. Je suis dans la merde. C'est ici qu'il fallait aller en plus? Ouais, c'est ici qu'il fallait aller. C'est-à-dire que je dois explorer tout le reste avant de me barrer. Ici, j'ai du stock. Ça m'intéresse pas forcément pour ce coup-ci. Par contre, je me demande vraiment de manière legit, est-ce que c'est normal que dans ce jeu, je sois tout le temps dans le noir et je vois que dalle? Ou est-ce que c'est juste parce que j'ai pas touché aux options de luminosité du jeu? Je vais tous éclater ici. Hein. Ils m'ont tous filé. De toute façon, je les ai tous butés au lance-flammes. Donc, ils m'ont tous filé du butin. Tous ceux qui avaient du butin, ils m'en ont donné. Le reste. On s'en fout. On va juste aller voir le stock. Est-ce que je peux vendre quelque chose, genre une plaquette hein. Ok. Très bien. J'ai droit à une invincibilité pendant que je suis dans le. Pendant que je suis dans le shop là ou même là je suis dans la merde. Alors j'ai des munitions vite fait. J'ai quand même quelques javelots. C'est vrai que faudrait que j'utilise un peu plus ce truc. Les recharges de stase, j'aimerais bien les garder tant que j'en ai pas. Sauf si c'est 2500 pièces à la vente. J'aimerais. Ah oui, ouais, j'ai fusil chercheur, détonateur, ouais. Moi je veux des points. Je veux toujours plus de points. Comme ça dès que j'aurai une imprimante 3D, je vais tout balancer. Oh putain, il me restait un soin, quel chat. Je vais tout balancer dans le lance-flamme encore une fois. Qu'est-ce que t'es? C'est une chauve-souris? C'est un lance-mine. C'est un lance-grenade même. Je pense que si j'étais passé à côté sans faire gaffe. Deux balles ça doit être suffisant. C'est ça, hein, ça a l'air d'être comme un détecteur de présence, ça me balance une mine si je passe trop près. Voilà. Et s'il balance sa mine, ça veut dire qu'il est mort. C'est dégueulasse, putain. Je me demande s'ils peuvent se buter entre eux. Ça m'arrangerait que ce soit le cas. Oh bordel. Il brûle longtemps, hein. Il brûle vraiment longtemps. Ça pourrait me faire économiser masse munitions. C'est pas ce que je voulais, mais peut-être que.
Ça one shot, ça one shot. Ok, 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 ok. On va pouvoir utiliser de strat économie d'énergie. Putain, je vois rien. Bon, lui, il est définitivement décédé. J'ai une sauvegarde, j'ai un plan, j'ai un verrou de force. Ça faisait longtemps. Filez-moi du butin. Énergie plasma x3. Semi-conducteur rubis, je suis remboursé. Kit de soins. Semi-conducteur bronze. Oh, allez, c'est parti. Je me suis régalé ici. Merci bien. Ah oui, ouais, mais j'ai besoin d'un vendeur. J'ai besoin d'un vendeur. Et là, il n'y a pas de vendeur, du coup, il faut que je me retape tout le chemin à l'envers. Yes. C'était trop demandé que de tout mettre au même endroit. Je vois. C'est pas grave, c'est pas bien loin. Ah, comme ça, je m'occupe de vendre tout ça. Alors, rubis, plus 10 000. Bronze, plus 1000. Les recharges de stase, bah, allez hop, ça dégage. Et je peux même encore vendre quelque chose. Fixation pour le fixateur, eh bah ça dégage, comme ça j'ai 20 000. Et là j'achète encore 2 points de force. Comme ça, ça m'en fait déjà 5. Voilà. Donc avec les 5 points de force, je vais pouvoir investir dans la puissance max du lance-flamme. Alors, lance-flamme, ouais, c'est parti. C'est quoi, durée? Il y aurait plus 5, alors là. Le feu alternatif, je l'ai pas trop utilisé. Je sais pas si je vais investir dedans. Je peux investir dans le lance-pieu. Je pourrais investir dans le fusil à pompe aussi. Dans le rig. J'aimerais bien mettre quand même... C'est quoi ça? Dommage, empalement, télékinésie. 50%. Ah. Ça peut être pas dégueu ça. Je savais pas que ce serait dans le rig ça par contre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Amélioration de durée. Ouais, je suis déjà pas trop mal, je pense, sur le module de stase. Mais c'est vrai que le rig, ça peut être rigolo quand même. C'est loin, mais ça peut être rigolo d'augmenter les dommages télékinésie. On va faire ça. Plus tard, je veux dire. Et là, là j'ai le plasma cutter. C'était quoi son... Il brûle la cible lors du tir. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est quoi? Ajoute un effet explosif à votre tir alternatif. Ça peut être très très drôle. Vraiment très drôle. Mais c'est vrai que je l'utilise vraiment pas souvent, quoi. D'augmenter la vitesse de recharge. Ça peut être pas mal. Parce que les pieux, il me semble qu'ils les chargent à chaque tir. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble. Pourquoi pas. Pour le tir alternatif du lance-flamme, je sais pas encore, parce que... On va pas se mentir, hein, la boule de feu... Je n'avais pas convaincu dans le premier. Enfin, je sais qu'il faut pas forcément prendre... Il faut pas forcément prendre le premier en tant que... échelon pour celui-là, mais bon. C'est dommage qu'il explose pas quand il touche le feu. Mais après c'est des extincteurs, donc normalement ils sont pas censés exploser quoi. C'est quoi pompe à air?
Ah oui, d'accord, ouais, mais si, ouais, si je vide la salle d'air, il y aura plus de. Il y aura plus de feu. Parce que le feu a besoin d'oxygène, hein, y a pas de souci. Allez, sors de là. Il en manque un? Est-ce que... Je peux pas passer là. Ici, y a rien. C'est-à-dire que j'ai loupé... Il y a une batterie que j'ai loupée. Toi, tu me files rien. Toi non plus. Il me manque forcément un truc. Déjà ça, je veux. Ok. Où est-ce qu'il y aurait... Ça, je veux aussi. Où est-ce qu'il y aurait une batterie? Une autre batterie à virer, je veux dire. Et là, je pense que je peux même pas descendre ici. Non, le chemin est bloqué, de toute façon. Est-ce que je peux voir un peu plus loin, au fond? Non. Ah oui, vous êtes mignon. Mais je ne traverserai pas le feu. Ça, je peux pas les virer. Ça, je peux pas les virer. Il me manque un truc. Stock, plan, sauvegarde, objectif. Est-ce que je peux balancer des... Ça. Est-ce que je peux balancer des extincteurs et tirer dedans? Est-ce que c'est ce qu'il faut que je fasse? Non. Là, je peux vraiment pas y aller. Oh, le feu. C'est fou ça. Et là c'est quand même pas là. Non non c'est pas là. Et je suis mort comme ça. Attends. Sans déconner. Sans déconner. Alors j'espère que toutes mes améliorations sont quand même déjà faites. Je pense que oui. Ah, il y a peut-être un truc en haut. Bah ouais, putain, j'avais pas vu le machin là. Mais c'est peut-être ça, c'est probablement ça même. Il reste juste à trouver. Il reste juste à trouver sa batterie, mais. Il me semblait qu'il y avait d'autres caisses. Là. Ah. Ok, et du coup là. Eh. Évidemment. Évidemment. Système vital, diffusion d'oxygène nulle. Cette zone est désormais inhabitable. Réserve d'air personnel obligatoire. Les réserves d'air. Ah putain, c'est pas vrai. Généralement, on prévient qu'il va y avoir besoin de réserve avant qu'il y ait ce genre d'incident, quoi, parce que sinon tu te retrouves dans une situation plutôt désagréable. Que le mec qui a pas prévu son coup et qui a écouté le... Ah, merde. Ok, faut que j'aille choper une batterie, quoi. Très bien. Il faut que j'aille choper une batterie.
Il semblait les avoir laissés en plein milieu. Là. Voilà, comme ça, celle-là, elle vient avec moi. Je vais remplacer celle de l'ascenseur. Voilà. Ah, trop bien, je tire du feu bleu maintenant. Ah ouais. Ah, c'est comme dans Killing Floor. Ou alors c'est... Est-ce que c'est Killing Floor qui s'est inspiré de ça pour leur effet? Ah, voilà, trop bien. C'est trop bien. Strauss, du calme. Il vous fera pas de mal. Il veut que j'aille dans la machine plurilac. Je peux pas. Elle y est. Elle m'attend. Strauss. Mon Dieu. Strauss, écoutez-moi. Vous devez continuer. Vous pouvez aller au train? Vous le pouvez? Il arrive. Je... C'est de l'autre côté que ça s'est ouvert. Très bien. Mais ouais, j'avais pas essayé le feu... enfin, le feu. Le lance-flamme depuis que je l'avais amélioré au niveau max. Et ouais, c'est exactement le même... Dans les en fait, dans Killing Floor 2, il y a un effet comme ça. C'est... Alors, je saurais plus le nom exact. Mais quand on est pyro, quand on prend la classe pyro, c'est un truc de level 20, je crois. Oui, parce que généralement, les level 25, c'est pour des améliorations en slow motion. Genre, level 20, en fait, t'as un truc qui fait que quand tu tires du feu au sol, avec le lance-flamme, ça fait une zone enflammée bleue, en fait. Et c'est vraiment... Ça fait, il me semble, deux fois plus de dégâts que le coup direct du lance-flamme. Ah, par contre, là, s'il me file beaucoup de mines, ça veut dire qu'il y a des mobs sensibles aux mines. Ou alors c'est pour me conseiller de me préparer. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Hein, comme d'hab, hein, si vous n'avez jamais essayé Killing Floor, hein, c'est un truc que je vous conseille les yeux fermés. Le 2, hein, pas le 1. Que le 1, il est... Il est pas mauvais en gameplay. Hein. Il a vieilli. Il a vieilli, et ouais, si vous avez le 2, je vois pas pourquoi vous irez sur le 1. Alors qu'il y a des maps du 1 qui ont été refaites exclusivement. Enfin, exclusivement. Qui ont été refaites pour le 2. Puis avec les modes. Comment les cartes des joueurs. Vous allez tout retrouver. Ah merde, c'est ceux qui courent vite. Ah oui, d'accord, ok. Goulot d'étranglement. On va faire cette vieille technique. Ah ouais, mais il y a trop de... Ah, les petits bâtards. Ah, ils peuvent... Il y en a plein. Il y en a plein partout. Quel enfoiré. J'espère que vous brûlez. J'espère que vous continuez à brûler quand vous essayez de vous barrer. Ouais, c'est ça. Quel enfoiré. J'ai bouffé 100 balles de lance-flamme, hein. Mais il a réussi à s'échapper. Mais il est encore en train de brûler, donc c'est ok. Là, il vient de claquer. Eh ouais, les gars. Ne jamais sous-estimer un lance-flamme. Il suffit de vous toucher une fois. Une fois et vous êtes foutu. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pensais vraiment pas que ce serait... D'habitude, souvent ce que je joue dans à peu près
dans à peu près tous les jeux, c'est lance-flammes. Enfin, tout ce qui est lance-flammes, lance-grenades, explosifs, ce genre de trucs. Parce que je trouve ça très très drôle. Et souvent très très puissant. C'est souvent des munitions qu'il faut économiser et utiliser à bon escient, hein, mais c'est très satisfaisant de se faire 10 ou 15 mobs d'un coup avec une seule grenade ou... Et ça c'est ou de juste brûler 50 mecs devant toi et puis les voir crever à petit feu comme ça, c'est pas très satisfaisant. Donc souvent c'est ce que je fais, mais là... Là j'aurais pas soupçonné un tel effet de brûlure. Enfin, le mec il brûle pendant 12 secondes, il ne peut rien faire. Il est touché. S'il est touché, il va prendre 12 de dégâts par tic pendant 12 secondes. C'est énorme. Hein. Je me rappelle que la dernière fois il m'avait bien cassé la gueule. Regardez qu'on est bien dans le noir de toute façon. Il me pète bien la gueule, hein. Mais parce qu'en plus, Isaac, il joue super vite, écoutez, il se planque comme des bâtards. Détruire le monolithe. Étape 1, rampez dans la machine obscure. Et étape 2, Lévis, serre fort. Je comprends rien. Oh mon dieu, il revient. Non, non. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Je pense qu'il essaie de me donner des infos legit. C'est juste qu'à mon avis, il doit avoir quelques problèmes de communication, vu qu'il est un peu... sous cook. Ah, toi aussi t'as un cutter ? Ah, je vais la laisser les fumer, hein. Ça fera plus de loot pour moi et moi j'utilise pas de munitions, alors vas-y hein. Go. Merde. Oh, hey. Ah mais pas sur moi hein. T'approche pas. Si tu veux qu'on parle, tu restes où tu es. Ça me va. Viens m'aider aussi, je suppose. Le dernier qui m'a dit ça a cherché à me tromper. Du calme, je ne souffrais pas de mal. Ouais, t'as bien compris. Tu essaies, t'es mort. Eh bien, figurez-vous que je pense que c'est... Ça doit être la première femme de Dead Space à qui je peux dire que je lui fais confiance, en fait. Hein, là-dessus, j'ai aucun doute sur le fait que... Qu'elle veuille... Merde, j'ai mis ce clic. Ah, j'ai mis ce clic, j'ai lancé une boule de feu. Putain. Oh, ça m'a défoncé mes munitions. Merde. Pour une fois que je me disais, ah, tranquille, j'ai un chargeur plein de lance-flammes. Ouais, c'est cool. C'est cool. Mon cul, ouais. Mais en fait, généralement, quand les gens disent qu'ils veulent me buter en face... C'est des gens à qui je peux faire confiance. On est parti du mauvais pied. Moi, c'est Isaac. Ellie. Tu cherches quoi, Isaac ? Bah, j'essaie de rejoindre les transports pour aller au siège du gouvernement. D'après toi, qu'est-ce qu'on essayait de faire, au juste ? Je pourrais vous aider, si vous voulez. En restant ensemble, on aura plus de chances que ça marche. Vous croyez pas ? Pas question, Isaac. Les partenaires, ça a tendance à me ralentir. Je vais déverrouiller la porte, mais après ça, tu te débrouilles seul. Et s'il te plaît, ne me suis pas, ok ? Ok ? On est dans le même camp. Bien. Ils m'ont pas filé de munitions, hein, les mecs qu'elle a buté. Je suis un peu triste là-dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même, ça reste quand même des munitions que j'ai économisées. J'ai chopé un plan pour les balles d'assaut.
Par contre, elle me dit de pas la suivre, mais au final, je vais quand même devoir utiliser le même ascenseur qu'elle, donc ça se trouve, elle va juste m'attendre à la sortie, et elle va me casser la gueule, et puis... J'espère qu'elle est pas morte des machins là, quand même. Et ce serait décevant. Ah, mais je peux les bait, j'ai l'impression. Si je lance un cadavre devant eux... Où est-ce qu'il s'appelle ? C'est elle, là ? Quand même pas. Elle est quand même pas déjà morte. J'aimerais bien sauvegarder avant qu'il se passe... Avant que je me fasse fumer, en fait. Avant que je me fasse fumer... J'ai rien à vendre. Si. Les mines des détonateurs, ça dégage. Et le reste, je garde dans la poche. Et par contre, j'ai quand même jeté un œil à la luminosité parce que. Y'a pas la luminosité là. De façon à distinguer un bâche. Non, là, c'est trop. Là, on distingue. Ouais, mais parce que sinon... Parce que moi, je commençais... Ça commençait à devenir un peu relou de pas voir grand-chose, en fait. Ok. Ça reste toujours sombre, mais un peu moins. Oh la vache! Oh, c'est de précision! Ah ouais, d'accord. Ah, vous kiffez plus, hein. Ah, vous kiffez pas le lance-flamme, hein. Mais du tout, du tout, du tout. J'entends quand même un autre truc, hein. Un truc plutôt massif, qui doit se balader je sais pas où, en dessus de moi peut-être. Au-dessus. Au-dessus. Évidemment, au-dessus. On entend un autre. Mais c'est étonnant qu'il m'ait pas cassé la gueule, en fait. J'avais déjà sauvegardé ou pas? Je ne sais plus. Ah, il est là! Il n'y a pas un autre... Fais-moi un bras là, voilà, parfait. Oh, sans déconner. Voilà, tu décèdes. Et tu te seras démerdé tout seul en plus. Non, il s'en va les couilles. Il s'en va les couilles. Voilà, là, ok. Voilà. Là, c'est vraiment parce que j'ai oublié si j'ai sauvegardé ou pas. Hein. Il y en a encore au mur. Il n'y a pas de bras coupant là? Oh, bordel. Une petite balle de lance-flamme, ça va. Ça passe bien. Oh putain! Allez, cassez-vous! Oh là. Et là, il n'y avait plus de flammes sur lui, il est quand même mort de ça, il est quand même mort du lance-flamme. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Quoi. Toi, t'es mort? J'en entends encore un. J'entends à droite. Allez, viens. Très bien. Je vais pas utiliser mes dernières balles, mais bon. Parce que là, il me reste rien du tout.
Je pensais pas qu'une partie du jeu se passerait chez Toys R Us. Ah, toujours plus de bébés morts, mais putain, mais les gars. Vous avez un mec en dépression chez vous, c'est pas possible. Dis qui toi. Oh non. Ah. Oh putain. Ah ça c'est le genre de truc qui file la gerbe. C'est dégueulasse. Oh non, ça veut dire que vous allez me lâcher tous les bébés kamikazes là? Vous avez un problème avec vos jeux et les bébés quoi, putain. Comment ça? Oh la vache, la violence de l'explosion! Oh putain la vache! Je sais pas pourquoi il a esquivé toutes mes balles, c'était très déplaisant. Je suis en train d'y... J'écrase des bébés morts quoi, putain. Ah non, vous calmez. En plus il me file pas de munitions, alors vous êtes gentil, vous arrêtez vos conneries. Ah putain, ça sort du plafond, putain. Ah putain, c'est pas vrai quoi. Ah, les enfoirés de bébé. En plus, pour le coup, là, c'était vraiment pas le... C'était vraiment la pire porte qu'ils pouvaient mettre, quoi. Parce que du coup, comme j'ai la vue au-dessus de l'épaule droite... Si je voulais pouvoir réagir correctement, ça aurait pas été comme ça. Voilà, j'étais sûr d'être bloqué. Quoi. Ils ont pas beaucoup de PV, hein. Il suffit juste que mon lance-flamme les touche. Putain, j'en ai ramassé un. C'était le truc le plus dangereux de toute ma vie. Ah ouais. Non, c'est bon, j'avais arrêté de rigoler, promis. D'accord, je peux ramasser ceux-là, ceux qui sont pas tout à fait morts, enfin morts mais pas tout à fait. Ah, pour tuer tous ses potes. Allez, bien, très bien, très bien. On apprend des choses. Venez à l'école qu'ils disent. Ça va être marrant. Ouais. Il suffit de les tuer, mais pas trop. Et ensuite de les balancer sur tous leurs potes. Rappelez-vous bien de ne pas utiliser ces techniques dans la vie réelle. Hein. Lavez-vous les mains. Ouais, aujourd'hui plus que jamais. Ouais, on va éviter de trop s'approcher parce que tous les coups le jeu me sort encore une connerie pour me buter. Les enfants ils vont vraiment fort sur les terrains. Hier mon bureau n'a pas pu accueillir tous ceux qui présentaient des blessures. Certains semblaient même trop amochés pour notre modeste infirmerie. Je suis peut-être vieux jeu mais les enfants ne devraient pas grandir sur une station spatiale. L'air pur, les grands espaces c'est quand même autre chose. Ici ils deviennent à moitié fous et se mettent sur la gueule. L'espace n'est pas propice à l'esprit de famille à mon avis. Oh la vache, les combats de bébés, oh, j'adorerais parier. C'est dégueulasse. Hein. Et ils sont tous... Ils sont tous fait défoncer par les bébés, c'est ça? Ça m'étonnerait pas, mais... Je vais juste allumer les lumières parce qu'il commence à faire sombre. Ouais.
Bon bah finalement. Finalement, il n'y aura pas de lumière pour ce soir parce que j'ai paumé ma télécommande. Je sais pas ce que j'en ai foutu, mais... Ouais. Pas de lumière pour ce soir. Très bien. Alors, Oh, c'est vraiment pas le moment d'avoir un bad trip, Isaac. Ça va, c'était léger. Il y a toujours des trucs qui traînent, bordel. Je l'ai vu, le rampant, hein, de l'autre côté de la porte. Vous avez un terrain comme ça pour des bébés? Oh, what the fuck. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est des différents bébés. Ils sont encore plus moches. Cassez-vous. Ouais, mais ceux-là, ils crèvent plus facilement quand même. Hein. C'est pas plus mal. Putain, tuer des bébés sur une musique comme ça, c'est vraiment... C'est un peu glauque. Eh, c'est parti. Très bien. On veut... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux l'enlever? Je peux pas l'enlever. Je vais te laisser crever. Je suis en mode économie d'énergie, hein. Enfin économie de combustible plutôt. Parce que là, vu la taille des mobs et vu la taille de mon chargeur, Ouais. Je vais pas faire le malin très longtemps. Envoyez pas plus de bébés. Enfin si. Envoyez ceux les blancs là, les goulous. Oh, putain ça. Ah, c'est le prix de soleil de merde. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh, c'était une capsule de stase. D'accord. J'aurais peut-être pas dû la péter, mais... C'était pour la science. Ah. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire une arène, c'est ça? C'est pas rassurant, les gars. Oh putain. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez décidé de sortir tous les bébés de l'univers. Ceux qui sautent pas. Mourez! Pas de bébé ici! Non à la fertilité! Ah, il y a une chauve-souris! Merde, j'ai plus de balles! Le soleil dans ta gueule! Oh putain, j'ai vraiment... Ouais, mais là, c'est un peu du overkill, quand même. C'est bien, l'overkill, des fois. Oh là là, le méga PK, il est jamais là pour décevoir. Il est toujours là pour remonter le moral. Très bien. Bon bah c'était pas déplaisant comme arène. Et j'ai eu... Putain, je m'en sors avec... Je m'en sors avec des milliards de munitions. Des milliards. Je pense que j'ai commencé le fight, je pense que j'avais moins de munitions que le moment où j'en suis sorti. Non. C'est possible que j'ai plus de place? Arrêtez. J'entends. J'ai des putains d'hallucinations maintenant. Ça doit être à force de traîner avec les bébés. Ah, mais c'est parce que vous me filez des stacks de 1 là, c'est nul ça. C'est nul ça, les stacks de 1. Ouais, c'est pas grave, je vais quand même le récupérer.
qu'il suffisait juste que je recharge l'arme en question et puis après ça me laissait la place libre. Je serais pas contre un marchand là. J'espère qu'il y en aura un pas trop loin. Faudrait que j'utilise mes pieux, mais... Ah, la porte est ouverte. Ok. Oh bah oui, tiens. Ouais. Ah, c'est encore de la lecture ? Je sais que les enfants ont une imagination débordante, mais cela devient préoccupant. La moitié de mes élèves ont, un ami imaginaire et ils prétendent qu'il s'agit d'un de leurs grands-parents décédés. Ce genre d'histoire ne poserait pas de problème si ces enfants arrivaient encore à se concentrer. Ce semestre, j'ai dû envoyer plus d'élèves au piqué que lors des 12 dernières années. Ces enfants ont peut-être des problèmes familiaux. J'ai également remarqué une baisse d'implication de la part des parents. Oui, mais c'est parce qu'ils ont tous... Ils sont tous hantés par le monolithe. Schéma lance-flamme. Quelle bonne blague. Quelle bonne blague, je suis censé l'avoir que maintenant. Ah mais j'ai 15 milliards de soins aussi là. Ah ouais. Bien. J'aimerais aller au marchand le plus proche. S'il vous plaît. Parce que là ça va pas le faire hein, si. Revenu ici encore. Ils sont de plus en plus violents, Elles sont de plus en plus violentes, ces hallucinations. Isaac, c'est Ellie. On a un... Ah bah... Vous vous connaissez, à entendre ce qu'il raconte. Ouais. Isaac, j'ai dit pas bouger. Ellie, pas de panique. Il s'appelle Strauss. Je le connais. C'est le patient numéro 5. Folle dingue. Ne mens pas. Tu restes tranquille. Ellie, j'ai besoin de lui vivant. C'est important. Merde. Ok, Isaac. L'emmène au transport, mais qu'il fasse un geste suspect, un seul. Et je le désingue. Bien. Salut Clément, comment va ? Ça me semble faire comme marché. Parce que c'est à elle de se le trimballer, donc c'est normal que ce soit ses conditions. Ça ne me dérange pas. Il est plutôt long cet ascenseur quand même. Il fallait que je me plaigne. Comme ça, ça allait bien plus vite. Ça va, pas trop peur? Non, c'est ok, ça se passe bien. Je vais déposer des munitions parce que les stacks de 1, j'en peux plus. Putain, ils ont encore des trucs. Oh là là, du combustible. Mais oui, mais tous les jours, donnez-moi du combustible. Voilà. Ah, mais putain. Je ne peux plus. Il y a trop de trucs. Trop de trucs et pas assez de marche. Tu m'as même pas vu finir le 1. Eh ben, normalement, il doit y avoir les redifs sur Twitch. Et il y a aussi les redifs sur la chaîne YouTube. Dédié pour les rediffs. Donc t'inquiète pas hein, si jamais t'as envie de les revoir, elles sont toutes dispo. Mais ouais, le 1 je l'ai fini la semaine dernière. On est là. Allez, viens. Salut Isaac. Génial. Déjà que c'était l'enfer pour survivre. Je me suis déjà enfui ce matin de cette installation de la compagnie. Tu bosses à la CEC ? Pilote de classe 4, engin lourd. Et toi ? Ingénieur. Geek. Logique. Ça veut dire quoi ça ? Merde.
Il me voit dans le noir. La ferme, ça ira, c'est le courant qui a sauté. Ça va pour vous, là-haut? Non. Merde, les systèmes vitaux sont coupés. C'est pas bon. Nos deux derniers évadés, Clark et Strauss. Ce n'était qu'une question. Oh, j'ai vu du message de toi tout à l'heure. Centrale ensemble. Hélas, le train ne circule plus. Vous êtes malade? Vous avez coupé tous les systèmes. Et il y a peut-être d'autres survivants. Le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà. Vous laissez fuir la confusion. Au revoir, Clark. Ok, comme ça, normal. Oh putain, ça y est, c'est parti. Ah bah oui, bah ça va être pour moi le gros, c'est ça? Ah oui, bah... Ouais, c'est parti, quoi. Putain. Même pas, ça m'étonne. Même pas. Oh là là, mais quelle simplicité. Simplicité, le lance-flamme, mais pour la vie. Et je peux rien ramasser. Donc on est tranquille, pour l'instant. Tu connais le prix du 3? Alors attends, pourquoi je te réponds juste après. A coupé le courant? Comment t'as fait pour l'énerver à ce point? Ellie, tu sais ce qu'est un monolithe? Ouais. Les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc-là. Pourquoi, il existe vraiment? Oui, il existe. Tideman l'a construit d'après les codes emmagasinés dans ma tête et celle de Strauss. Tout ce qui arrive sur cette station, c'est la faute de ce monolithe. Je dois le trouver et le détruire. Et j'ai besoin de Strauss pour y arriver. T'es bizarre comme mec, Clark. Ah, ouais. On est sur le point d'étouffer. Alors, ouais, tu ferais mieux. Ok, super. Bon, il faut du courant. Sinon, pas de train et pas d'oxygène. La Méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence. Oui. Elle a un complexe solaire. Mais ça fait des années qu'il a pas servi. Ça veut pas dire qu'il est pété. Alors, je me rends là-bas. Je vais voir si je peux les activer pour le train. D'accord, mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux. Je sais faire ça. Bien. Bon, mais du coup, tu t'occupes du babysitting et moi, je vais aller faire les travaux. On fait comme ça. Sinon, le prix du 3, mais en fait, figure-toi que j'ai pas forcément besoin de les acheter, les Dead Space, en fait. Parce que j'ai pris le Xbox Game Pass. C'est-à-dire que je les ai... Tu sais, genre je paye 10 balles et puis j'ai accès à tous les jeux sur le pass et une partie des jeux EA gratos, quoi. Entièrement. Donc je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Mais ouais, j'avais pas répondu à ton truc de tout à l'heure. La grande pièce, ouais, non mais c'était visible à 3 km, hein, le délire que ça allait être une salle de boss. Moi, bon, par contre, le lance-flamme, toujours aussi redoutable, hein, pour ce genre de délire. Il n'y a que la salle-là qui est ouverte. Parce que là, ça veut dire que je peux même pas ramasser le semi-conducteur rubis. Et là, ça me plaît pas. Donc, je vais au moins prendre ça. Et puis je reviendrai pour toutes les munitions un peu plus tard. Ouais, parce que là, il y a des trucs de stase. Ah, à moins que... Ouais, d'accord, on peut la jouer comme ça. Et là, il y a un module de stase. Là, il me manque encore un peu de vie, donc ça peut être... Ouais... Non, parce que là, ce qui me manque, c'est que des munitions de... Ouais, tant pis, je vais trouver un truc pour vendre. À mon avis, il y en aura un dans pas longtemps. Putain, mais il y a trop de loot. Il y a trop de loot. Il peut pas y avoir autant de loot. Oh, putain. Il y a des trucs que je peux pas ramasser. Quel seum. Oh là là, mais j'en ai trop besoin de tous ces trucs. Dites-moi qu'il y a un plan stock. Si, c'est ça, c'est un stock que je... Il y en aura un derrière. Il y en aura un derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je les détruise? Ok, c'est des mines. Il faut que je les détruise. Très bien. J'aurais peut-être pas dû le détruire tout de suite. Ah non! Il m'a pas buté quand même. Il m'a buté. C'est pas vrai.
Ima OS, j'étais full live. C'est la deuxième fois que je me fais OS par un truc comme ça. Je me suis fait OS une fois dans le 1 et une fois dans le 2. Par ces merdes là. Où est-ce que je... Putain, je suis après le boss. Au moment où j'ai rien looté. Oh. Vous abusez. Vous abusez. Bon alors ce que je vais faire c'est que je vais tout laisser tel quel. Il se passe quoi à la fin du 1? À la fin du 1 tu as un espèce de... de monstre à tentacules gigantesque hein, qu'ils appellent la reine mère. Qui vient te casser la gueule sur une autre planète. Parce que t'étais allé chercher le monolithe en fait pour le déplacer. Si, c'est le gros truc avec des bras énormes. Si, c'est gigantesque. Mais là, on est sur quelque chose qui fait genre facile 10 ou 15 mètres de haut, tu vois. Avec des bras, mais gigantesques. Et il y avait Carla, Karine, je sais plus c'est quoi son nom. La brune qui m'a fait un coup de pute. Et en fait, c'était la première à mourir. Et j'ai bien rigolé sur son cadavre. Ah, sans déconner, c'est quoi ce bordel là? Parce que... Il y a un truc là. Parce que le machin là, il est censé cracher des espèces de petites pustules qui ont une espèce de tentacule unique qui te crache dessus. Ok? Jusque là, moi c'est ce que j'avais, c'est ce qui se passait tout le temps avec les mobs là. Et là en fait je me demande s'ils sont pas en train de cracher les espèces de pustules qui me lancent des mines à chaque fois que je suis à proximité d'eux. Et si c'est ça, c'est... Déjà, c'est un truc d'enfoiré. Ensuite... Bah non, mais... Même pas le fusil à pompe. Pas le fusil à pompe, quand même. Abuse pas. Vous allez me faire essayer toutes mes armes quand même sur le bordel là? Ah c'est ouf. Je me fais un boss, tout se passe bien. Un mob random, je me fais éclater 5 fois d'affilée. Quoi. Il m'a lâché un conducteur en or. Et j'ai pas ramassé le conducteur du boss. Trop bien, j'adore oublier des trucs. J'adore oublier les trucs qui valent 10 000 balles. C'est mon plaisir dans la vie. Ah. Oh non. Oh, j'ai eu peur, putain. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Ah, parce que là, de pas avoir le loot du boss juste parce que je l'ai oublié, ah, ça m'aurait fait mal au cœur. Mais bon, il va falloir que je me débarrasse de tout mon bordel. Ah, oh, dites-moi que je peux revenir quand même, parce que s'il y a un ascenseur... Oh, ne faites pas le coup que je puisse pas, hein. Ferme-la. On doit t'entendre dans tous les blocs. Cet idiot va nous faire repérer. Ellie, essaie de le calmer. Je dois savoir ce qu'il essaie de me dire. C'est vrai. Allez, dites-moi qu'il y a un vendeur pas loin. Ah oui. Un vendeur. En fait, tu te calmes tout de suite. Voilà, vous calmez tout de suite. Bon bah écoute, si j'ai une personne, je pourrais prendre... Ah... Ouais. Ouais, c'est... Bah écoute, je sais pas combien ça coûte le EA Play.
Mais pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. 10 balles. Ah. Je sais pas, enfin, ouais, honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup. Parce que... Comment dire. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai, c'est le... En fait, quand tu prends le Xbox Game Pass, en fait, il te file le EA... Le EA Play gratos avec. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Game Pass Ultimate plus EA Access. D'accord, ok. Bah écoute, je te redirai à ce moment-là, quand je serai sur le 3. Parce que pour l'instant, ça m'a l'air ok. Enfin, pour l'instant, je vais pas... te faire payer pour un truc, alors que... Enfin, je vais pas... Ah non, je peux pas remonter, sans déconner, quoi. Oh, mais vous êtes sérieux, j'ai laissé tout le loot derrière, parce que je me dis, ouais, ça va être sympa, je vais pouvoir remonter. Pas du tout. Oh, putain. Oh, je suis au bout de ma vie, quoi. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me délister de quelques soins. Je vais pas les vendre, je vais les stocker. Pour la simple et bonne raison que... si je me suis retrouvé avec plus de place à ce moment-là... On sauvegarde, objectif. Si je me suis retrouvé avec plus de place à ce moment-là, c'est vraiment juste parce que j'étais blindé de soins... Sélectionner un objet, appuyer sur R pour retirer tous les points installés. Pourquoi je ferais ça? Enfin, si, je sais pourquoi je pourrais faire ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Carrément pas. Non, mon lance-flamme, il est bien trop puissant pour que... Il est bien trop puissant pour que j'ai envie de changer quoi que ce soit. Est-ce que j'investis sur le méga PK ou le lance-chevelot? Je ne sais pas. Le méga PK, il est... C'est quand même mon arme de cœur. Le méga PK, c'est quand même l'arme de cœur. Alors, on va l'améliorer comme il se doit. Est-ce que j'améliore le tir alternatif? Parce que ça, c'est le canon laser. C'est pas trop mal. En vrai, il est pas trop mal, hein, son truc, mais moi j'aimerais bien viser la puissance tout de suite. Voilà, comme ça. Le méga PK, en cas de besoin, il est là pour sauver. Parce que là, si tu les vends, en plus, j'ai pas forcément beaucoup de... munitions pour le méga PK, mais ça reste quand même l'arme de cœur avec le lance-flamme. Mais bordel, j'ai à peine ouvert la porte une demi-seconde et j'ai déjà une araignée qui me saute dessus. Quel bordel, quelle infamie. Ah. Demande de réparation émise. Ouais, mais si je répare le bordel là, est-ce que je pourrais remonter dans l'ascenseur de tout à l'heure là? Je me suis fait avoir. La capsule qui mène au complexe solaire a l'air de flotter au fond de la cage d'ascenseur. Sans déconner. T'en fais pas, je peux gérer. Je vais sortir jeter un coup d'œil. Il va falloir que je défonce les batteries ou... Oh là là, mais quel bordel. J'espère vraiment qu'après avoir réparé tout ça, j'espère vraiment que je pourrai aller chercher le butin que j'ai laissé tout à l'heure, parce que... Tirer sur les bouts rouges pour déplacer les objets. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un choc énorme, non? Pas plus que ça. Et ça, ça sert à quoi? Ok. J'ai pas tout saisi, mais... Ok.
Est-ce que je dois les péter les batteries ou pas? C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Oh, mais y a encore du chemin là. Alors, et en haut, y a rien, c'est sûr. Bon, on va aller en bas. Ça vient dans ma poche, comme ça je vais pouvoir recharger tranquillement. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, d'accord. D'après toi, il va comment? T'entends ce qu'il dit? Des hallucinations, Ellie. Je crois qu'il est malade. Je ne vais tu pas. Crois? Il le faut pourtant. On continue. Et du coup, je peux juste remonter comme ça? Ah, et les trucs électriques, en fait, c'était pour le stabiliser. Très bien. Très bien, très bien. Bon, et maintenant que j'ai réparé l'ascenseur, est-ce que je peux? Ah, quel bordel. Est-ce que vous allez me laisser revenir en arrière pour reprendre l'ascenseur, s'il vous plaît? Ou alors vous m'avez juste fait une transit de niveau sans que... Ouais. D'accord, c'est cool, comme ça j'ai craché sur... Bien, hein, je vais cracher sur toutes mes recharges de lance-flammes. De lance-flammes, entre autres, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de cutters aussi. Au moins, je l'ai laissé intact dans les boîtes. Donc, si jamais j'y repasse, je les récupérerai. Mais pour l'instant... Pour l'instant, je peux me gratter. Ça me plaît pas des masses. Oh. Du coup, ça montre bien que je suis sur la lune de Saturne, quoi. Est-ce que la ville est dans le même état que l'intérieur du... de ce bâtiment? Putain, c'est pas vrai. Mais putain, mais... Vous êtes combien, bordel? Ah, bordel! En plus, ils me font des feintes comme ça. J'ai plus de balles, putain. Oh merde. Faut juste que je reste au milieu pour éviter. Que je reste au milieu pour pas être apporté. Oh bordel. Et il me file plus de munitions maintenant? Oh bah je vais bien. Il
Vous voulez pas me filer un peu d'oxygène là parce que j'ai vraiment pas beaucoup de... Ouais, parce que là ça commence à devenir tendu. Hein. Tu as le même ascenseur chez toi? Ah, bah pas moi, hein. Putain. Ah. J'utilise la télékinésie pour lancer des bonbonnes. Où ça et sur quoi? Ah, là-dessus. Très bien, très bien, très bien. Sauf que... C'est déjà des trucs que j'avais affronté, hein, les bordels là. Donc, votre tuto, il arrive un peu tard, messieurs. Faut que je trouve d'autres trucs à leur balancer, c'est ça? Il va falloir que je trouve d'autres trucs à leur balancer, très bien. Ah, il y en a deux qui ont claqué en un coup. Pas mal. Ah, j'en sens plus, donc c'est ok. Je peux loot comme un porc. Voilà. Et je crois que tout est bon. Il y en a encore un là. Ça tombe bien, il y avait une deuxième bonbonne. Ça le tue ça ou pas? Ça va le slow, oui. Ça le tue pas. Ça le tue pas. Par contre ça... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh non 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 hein. C'est pas des araignées. Oh putain la chance. Complexe Sigma Magma 05. Une identification personnelle est requise. Veuillez patienter ici. Le gardien Howard Phillips vous rejoindra d'ici quelques instants. Ouais, bah il est probablement mort, donc m'excusera, mais je vais pas l'attendre. Le seul vivant, c'est le piaf, le pauvre. Vous vous rendez compte, il doit attendre tout seul. Tout seul, parce que tout le monde est mort. Il va juste mourir de faim parce que vous l'avez enfermé dans sa cage. Bande de barbares. Dit-il. Alors, qu'est-ce que vous me dites, Devo? Je veux rentrer chez moi, l'IA dit qu'elle a pas reçu de réponse à ma demande de transfert alors que c'est la cinquième, 5 demandes et aucune réponse, personne ne les reçoit, personne ne les lit. J'ai un peu honte de l'admettre, mais la solitude ici est plus difficile que prévu, ça commence à m'atteindre. Bonne nouvelle malgré tout, l'IA aurait autorisé ma demande de livraison, elle doit arriver aujourd'hui. J'ai quand même un doute. Ça fait tellement longtemps que j'attends, difficile de croire qu'ils vont autoriser mes oiseaux ici. On verra bien ce soir. Eh ben, tes oiseaux sont là, malheureusement tu n'es plus là. Ça c'est... C'est quand même con hein, ce qui t'arrive. C'est bien en fait, ça marche avec un peu n'importe quoi qui le déclenche. Si en fait il se bute sur la trajectoire de la mine qu'il lance, c'est ok, je peux le lancer n'importe quoi. Mais c'est marrant parce que maintenant que j'en ai plus besoin, en fait il me fout des... Ils me foutent des stocks n'importe où, n'importe quand. Ça, ça me rend fou. Ça, ça me rend fou. Parce que moi, j'en avais besoin tout à l'heure. Ils m'en ont pas donné. Et maintenant, je suis tristesse. Oh, un point de force. C'est gratuit. Ne sont pas autorisés dans la zone. Éloignez-vous de la porte. Bien, 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 bien. Non, mais c'est le cœur. Mais oui, mais j'essaie de... J'essaie de trouver le moment où la porte sera ouverte pour la ralentir. Ah, putain. Allez, il faut que la porte se reset. Comme ça, je ralentis le détecteur. Ou alors, je peux le faire avant. Peut-être. Éloignez-vous de la porte.
Ou alors il y a quelque chose que... que j'ai pas saisi, peut-être. Ou alors il faut vraiment que je m'éloigne de ouf. Non, elle est encore rouge. Il y a un truc... En plus, ouais, là je suis bloqué de ouf, quoi. J'ai rien. Rien du tout. Et je peux pas mettre un oiseau, peut-être. Ouais, c'est complètement con, parce que c'est une analyse de rig, mais... En plus, il n'y a pas de... Comment, il n'y a pas de régénérateur de stase. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire que le problème ne peut pas être réglé comme ça. Éloignez-vous de la porte. Ok, forcément. Éloignez-vous de la porte. Qu'est-ce que vous allez faire si je m'éloigne pas de la porte? Quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et je ne peux pas. Je peux pas le ralentir. Je peux pas ralentir son scan. Je peux pas. La porte est pas ouverte quand je m'éloigne, donc. Et je ne peux plus revenir en arrière parce que c'est verrouillé, en fait. Donc il y a un truc que je ne saisis pas. Ah, c'est le moment où tu te mets à tester n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle veut? Allez, tu me dis rien quand t'es ici. Oh putain. Moi, mon objectif, c'est clairement cette porte, mais... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois changer de combinaison ou... Ah, je sais. J'ai compris. Si elle a la tronche de Hogwarts Phillips. Voilà. Et voilà. Viens là, viens là. Autorisation RIG accordée. Bonjour, gardien de station Howard Phillips. Comment allez-vous? Ouais. Très bien, je vois. Bien. Oh putain. De défense activée. Gardien de station Howard Phillips. Veuillez énoncer le code d'accès pour inviter. Ah ouais, d'accord. Il fallait que je me balade à l'intérieur avec le... Avec le... Le cadavre. Ah, cette boîte. Cette boîte immortelle a l'air de flinguer tous vos services de sécurité, là, dis donc. Bah alors, bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner contre une pauvre boîte? Et y a même pas besoin de hacking ou de conneries comme ça. Y a juste besoin d'une bonne vieille boîte. J'ai entendu, c'est des bruits de monstres, ça. Ouais, bon, je vais utiliser un lance-flamme à côté d'un truc d'une indication à attention danger explosif. C'était un peu présomptueux de ma part, quand même. Oh, bah... C'est pas grave, c'est des bébés, ils vont mourir. Ah, putain, moi aussi. Oh, fumier. Ah, oh, je suis vraiment trop con. Je me suis mis à côté des deux bonbonnes et je me suis mis à côté de la vitre. Ah, c'était foutu. C'était foutu. Ah. Ouais. C'est vrai que je peux faire ça.
Oh putain, c'est pas mal. Fichier. C'est pas grave, la troisième fois, ce sera la bonne. Assez loin de moi. Très loin, très loin. Les distances de sécurité, tout ça. On est anti-bébé et anti-Covid par ici. Merci vous. Alors, qu'est-ce que... Une pompe de stase. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire encore? Qu'est-ce que vous allez me faire faire comme connerie? Alors... j'essaie de rester hors de portée de l'IA, je ne supporte plus ces excuses au sujet de mes demandes, toujours les mêmes conneries de langage informatique. 23 requêtes envoyées et pas une seule réponse, elle ment, c'est sûr, elle ne les a jamais transférées. Je lui ai montré ce que j'en pense ce midi, j'ai laissé tous mes oiseaux en liberté, c'était splendide, ils volaient tous, libres et heureux. J'aimerais tant être comme eux. L'IA n'arrêtait pas de répéter mécaniquement, forme de vie inconnue, rien à foutre, j'ai dansé avec eux toute la journée, je les adore, je veux rentrer. Pendant ce temps, moi je défonce tous les protocoles de sécurité. Ouais, il est mort depuis 15 000 ans votre pote là. Oh là là. Midair, je l'ai défoncé votre gars, midair. Aussi faible. Oh, j'en entends encore un. Hein. Il doit être en train de se balader dans les murs, mais. Ah, c'est peut-être l'IA qui est en train de bugger que j'entends. Probablement ça. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Juste une lumière. Je pense qu'il va mourir de la brûlure. Quasi sûr. Bonsoir. Et c'était lui, putain. Ouais, si, il est mort. Il est mort majoritairement de la brûlure. Qu'est-ce que vous voulez que je foute? On voulait que je le baisse ou que je le monte? Bonsoir. Comment vous faites pour être sur la structure extérieure de ce bordel? Ah, je le rentre, très bien. Là, je sais où vous êtes. Tu me fais chier. Pour rétablir l'énergie, c'est sans issue. Tous les accès au siège du gouvernement sont sur. Oh putain, c'est pas vrai. Il m'a défoncé la gueule. C'est ouf. Putain, c'était mon dernier son en plus. C'est bien, il me refile ce que je consomme. Et un peu plus. Combien j'ai? 84. J'espère que juste qu'il n'y a pas... Ouais, mais j'ai combien? J'ai 4 points. Juste vérifier qu'il n'y ait pas... Ouais. Vérifier qu'il n'y ait pas une salle de force, mais bon. Tant pis pour ce coup-ci. Ouais, je vais juste balancer les améliorations sur le méga PK. Voilà, comme ça, prochaine amélioration, il est à 32.
32, ce sera vraiment très très bien. Déjà là, il est très costaud. Hein. C'est juste que je l'utilise pas souvent parce que j'arrive à rester en vie avec le avec un chargeur unique de lance-flamme en fait à chaque fois. Hein. Ce qui est assez surprenant. Ouais, bah lancez-moi vos protocoles de sécurité. Nettoyage du système vital. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ouais, mais putain, ça m'emmerde moi, mais pas eux quoi. Elle est persistante cette IA. Ah putain, c'est ceux qui courent vite. Voilà, je vais juste me dépêcher de hacker cette merde. Histoire de pas crever de manque d'oxygène. Et de 1, 2, 3. Voilà. Tiens, ça c'est pour m'attendre dans les putains de coins. Les putains de coins. Ouais, pour une fois, il avait même pas mis de laser. Non autorisé. Cher IA, ici directeur Dillman. Détruire le complexe solaire immédiatement. Verrouillage activé. Oh oh. Activation du verrouillage. Désolé, Clark. Je sais ce que vous essayez de faire, mais c'est absolument hors de question. L'enjeu est trop important. Ouais, bah apparemment, je peux pas aller. Tu es déjà passé par la garderie? Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai zigouillé tous les bébés morts. Visiteur non autorisé. Enfin, cette fois, je me suis assuré qu'ils étaient morts pour de bon, quoi. Mais ouais, c'est là où j'ai eu le plan du lance-flamme. Mais c'est con, parce que j'avais déjà le lance-flamme avant. Hein. Moi, je pense qu'ils m'ont filé du contenu que j'aurais pas dû avoir. Hein. Ah ouais, non, mais c'était bien. Je me méfie des machins là. L'accès non autorisé au serveur central est une violation du code civil de Titan. Replacez les panneaux et éloignez-vous des commandes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non 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 non. Ah non 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 non, hein, les petites araignées de merde là. Voilà, alors. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un ordre... Oh, putain, la vache. Cette chance. Ok, le carré en haut à droite. J'en ai mis deux au pif. Et c'était les bons. Oh, voilà. Du coup, je ne me suis pas gazé. Ou je ne me suis pas électrifié avec les pièges évidents qui sont au sol. Protection électrique du serveur désactivée. Soyez très prudent. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Elle me donne toujours pas l'accès à ce truc. La meuf, elle me laisse l'accès au serveur, mais pas aux portes. Tu peux continuer de me menacer, hein, mais... J'ai bien vu que tes systèmes de défense étaient... Visiteur non autorisé. Trop peu efficaces contre moi. Alors, qu'est-ce que je dois foutre avec ça, moi? Parce que je ne peux pas avancer, en fait, là. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai des trucs à connecter, ok, hein, pas de soucis. Mais là, il y a encore quelque chose qui m'échappe. Et là, bon, je suis allé ici, hein, j'ai mis les batteries au bon endroit. J'ai activé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, bordel? Qu'est-ce que tu veux?
Est-ce que tu essayes de me... Il y a une batterie là? Ouais, je peux pas la toucher. Comment ça se fait que je me retrouve dans des situations comme ça là? C'est ça qu'il fallait faire? Ah! Visiteur non autorisé. Oh, je savais pas que je pouvais faire ça. D'accord. Et du coup là je me retrouve avec même genre d'énigme. Bon par contre si vous pouviez vous passer des araignées. Alors la croix en bas à droite. Visiteur non autorisé. Oh mais il a essayé de me faire peur. Je comprends bien mais ça ne m'intéresse pas. Alors le rond en haut à gauche. Ensuite. Ok. Ok. Et le dernier, la pointe en haut à droite. Intervention est demandée. Tu as demandé à qui? Tu as demandé au technicien à mort? Bon, oh, oh merde. Ouais, d'accord. Mais il peut venir par les conduits. J'attends qu'il vienne par les conduits. De toute façon, toutes mes armes sont chargées. Prêt à le recevoir. Ok, il a pas envie. Très bien. Du coup, il va juste m'attendre à la sortie. Allez, viens. Faible, si faible. Les circuits du serveur sont très fragiles. Éloignez-vous. Oui, bah, j'ai fait tout ça, c'est pas... Oh. Ils sont très fragiles, hein, n'est-ce pas? Très, très fragiles, n'est-ce pas? C'est pour ça que je leur mets des patates à la Jojo. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle est plus liée, dégage. La station passe en mode manuel uniquement. De toute façon, tu servais pas à grand-chose, Lia. Alors comme ça, c'est réglé. Putain, l'enfoiré. Je me dirige vers les miroirs. Je dois les aligner manuellement. Estros. À toi d'en juger. Non. Lâchez cette seringue. Je veux pas que ça recommence. Laissez-moi. Ouais, je m'en vais. Je veux pas. Estros, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là-bas qui... Ah. Oh, ouais. Il faut... C'est quoi ça? Ah mais ça veut dire qu'il y a encore un... Il y a encore des trucs gigantesques. Mais t'es pas mort? Voilà.
Bah, j'allais dire aussi, hein. Commence à faire beaucoup. J'espère que ça me tue pas cet environnement là. Il y a un truc tout près. Je vais me mettre un peu plus loin. Voilà. Est-ce que ça... Je l'avais pas vu au début, mais je les entends. Lui, si je m'approche assez, ça devrait juste... Il devrait juste se suicider. Je vais même pas m'approcher, en fait. Hein. Clairement pas. Je peux garder mes distances le plus possible avec ces conneries-là. Je le fais. Voilà. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Et vous me donnez des disques, mais je m'en fous des disques. C'était vraiment la pire arme de l'univers, ce truc. Vas-y, putain, tu bouges ta queue. Apparemment pas. Casse-toi, 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 casse-toi. Mais t'en veux aussi, toi? Bon, cassez-vous. Laissez-moi respirer, bordel. Putain, j'ai plus rien. Et j'ai plus de points de force, et j'en étais sûr tout à l'heure quand je les ai utilisés, bordel. Oh là là. Salut Sunshay, comment va? Absolument pas moi qui viens de me réveiller, ah bah bravo. Se réveiller un samedi à 21h30, quel plaisir. J'espère que t'as pas flingué ta journée avec ça. Et bien... Deux. Et le troisième. Voilà. Et là, j'aimerais bien pouvoir descendre pour ramasser le butin. Le butin qui n'est déjà plus là. Je vais quand même sauvegarder avant de me faire buter comme une merde. Combien de pourcents il faut pas que je touche le laser? Combien de pourcents? Moi je sens le pourcentage assez élevé quand même. Je sens qu'il va galérer à t'endormir. Bah ouais, mais, non, mais c'est normal. Hein. Il y a même pas besoin d'être un génie pour savoir ça. Hein. Ah, c'est sûr, hein, si t'as déjà ta dose de sommeil, t'es foutu pour ce soir. Foutu. Allez, let's go. Ah putain, il n'y a plus d'air. Oh non. Rechargez vos réserves, vous pompez. Putain, je marche sur quoi? Ok. Ok, 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 ok. Ellie, on dirait que deux miroirs ne sont pas alignés. Strauss va bien? Son pouls est revenu à la normale, mais je sais pas combien de temps il tiendra. Je savais qu'il me ralentirait. Si Strauss meurt, mes chances de détruire le monolithe aussi. Gardez-le en vie jusqu'à ce panneau. Mais... Mais qu'est-ce qui vient de me... Qu'est-ce qui vient de me flinguer, bordel? Oh, ah, mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore, là? Ah ouais... Je m'étonne que rien ne fonctionne dans cette merde de station. Hein.
Ah, ça marche bien, hein, le f... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mes munitions... Ah putain, mon butin, pour une fois que j'en avais, bordel. Je me sabote. Je suis en train de me saboter, quoi. C'est ouf. J'aimerais bien une touche pour me remettre droit. Ce serait pas trop mal. Parce que là, je suis à tout ce qu'il y a de plus en diagonale. Ok. Bon, pour l'instant, je suis même pas en train de faire l'objectif. Hein. Je suis juste en train de loot toute la zone. Allez, remets-toi droit, Isaac, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, sinon, en termes d'objectif, faut que j'aille à la... Il faut que j'aille au panneau solaire. Ok. Non. Reviens là. De toute façon, le gros truc qui était censé me buter, il est mort. Donc là, je suis juste en route pour me promener. T'as dormi que 2h30, ça reste une grosse sieste. Non mais, de toute façon, t'es foutu, hein, t'es foutu pour ce soir. Enfin, c'est annoncé. Tiens, mais vous barrez pas les butins. Bon, là je vais enfin pouvoir aller sur le panneau. Alors comment je... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois bidouiller dessus. Je vais juste les aligner, on est d'accord. L'un en face de l'autre. Et là, c'est pas assez, là. Ah non, peut-être qu'il faut viser le soleil, vu que c'est des panneaux solaires. Alors, juste O2. Parce qu'ils m'ont dit qu'il y en avait deux qui n'étaient pas alignés. Peut-être un peu plus que deux. Genre celui-là, il est pas aligné. Mais vous vous moquez de moi. Ah, ou alors ils sont déjà alignés avec le soleil et ils doivent être alignés avec... genre c'est des miroirs et en fait il faut juste les aligner avec quelque chose d'autre. Et en fait c'est juste moi qui suis complètement con. Ouais, il peut pas être plus dessus que ça. Hein. Ça doit être celui-là qui manque. Ouais, ça doit être celui-là. Bon, j'ai 80 secondes. On va dire que ça le fait. Allez. Ok, Ellie, aidant. Ah, ça veut dire que le premier, il a pas été validé. Il y a un souci avec mon stream. Ah. Je suis trop faible. Je te promets que quel est-il? Fais-moi d'abord un coup de main ici. C'était toi? Okay, ok. Quelque chose recouvre le panneau. Ah, je vais pas te mentir, tu m'as fait flipper. Oh bon sang. Ils sont des centaines. Bon, ce sont des centaines. Ils s'épandent. Foutez le camp. Oh merde, ils viennent par là. Ah mais si, mais du coup je les avais... Non, je les ai pas bien alignés. Lui, je l'ai pas bien aligné. Et du coup, c'était quoi le problème? Il y avait un décalage de son et... Il n'y avait plus de son et ça sautait. D'accord, très bien. Heureusement que t'as vérifié quand même si c'était toi, parce que...
Ok. Impeccable. Par contre, là, je peux... Si. Ouh. Et voilà comment on a créé le portail de Doom. Non, non. À peu près. On a pu traverser de justesse quand le rayon a frappé. Ne crois pas. Les choses se dirigent vers la centrale en ce moment. Elles font de sacrés dégâts sur leur passage. Oh merde, elles nous rattrapent. Dépêchez-vous, je vous rejoins dès que je peux. Ah. T'as encore envie de dodo. Ouais, quelle feignasse, bordel. Quelle feignasse. Enfin, moi j'ai eu le plaisir de me faire réveiller à 8h par par une personne de type grand-parent pour des services de technicien au niveau du téléphone portable, c'était un plaisir. Sortie zone sans gravité. Franchement, je me suis dit putain, un samedi matin à 9h. Nous devons joindre le siège avant qu'il ne nous en empêche. T'auras jamais assez de temps. J'y serai. Ah, c'était dead en ce moment, peut-être que... On avait détecté dans l'alignement du complexe. Peut-être que tu es covidé, dis donc. Je te le souhaite pas. Ah bon? Et c'est quoi le bordel là? Ok. Oh putain. Ouais, dans le genre éviter au poil de cul. Ah, il va falloir que je passe dedans, c'est ça? Ouais. Je sais pas comment vous voulez que j'évite cette merde, mais. Ah non, mais sans déconner, vous voulez que je l'évite comment le truc? Ah, il y avait un trou! Putain, j'ai vu sur le. J'ai vu sur mon retour de stream, j'ai vu qu'il y avait un trou. Putain. T'as déjà fait le Covid et t'avais pas les symptômes là? D'accord. Le trou vert, ouais, mais c'est ça. C'est ça, je l'ai vu, mais que après. J'espère que je peux pas me cramer la gueule quand même sur le rayon. Sur le rayon solaire. Putain, mais j'ai zéro confiance. Zéro, zéro, zéro. C'était là. Je sais pas où c'est. Ah! Ah, oh, j'ai cru qu'il fallait passer dans la tour. Oh, bordel. Oh, j'en ai marre. Je suis complètement con. Oh, putain. Tu te dis, ah, c'est des scènes qui peuvent être stylées. Mais putain, mais je vous promets que à chaque fois qu'il y a une cinématique interactive ou un truc interactif comme ça, ça me prend 3 ou 4 essais avant de le réussir. Alors que c'est censé être les scènes un peu moins guidées où t'es censé comprendre ce que tu dois faire assez rapidement ou assez facilement, quoi. Ouais, mais c'est juste que je suis complètement con, quoi. Je suis ravagé du bulbe. Ouais, poil de cul, mon pote. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai essayé ça sur la tour de tout à l'heure, ça a marché moyen, quoi. Hein. Ouais, du coup, j'espère que je ne flingue pas trop votre expérience. Hein. Parce que les trucs là, je n'y arrive jamais du premier coup. Ellie, t'es où? Juste dehors, viens vite! Alors que c'est pas fait pour être difficile. Et vous me mettez un stock maintenant alors que je peux plus retourner là où il y avait une porte de force, quoi. Ouais. Très bien.
Très bien, très bien. Oh, mais je vois que... Je vois ce que vous voulez faire. Ils sont moins sympas dans le 2 avec les portes de force et les stations de, d'achat, vente et tout ça. Hein. Oh, bah on est déjà allé dans l'arène là. Ah, c'est là où j'avais tout le butin que je pouvais pas ramasser. Ah oui. Oui, mais le train attendant. Oh, et puis les portes sont ouvertes. Super. J'ai pas d'oxygène et je me fais attaquer par des enfants morts. Super, super, super. Ah, mais je suis derrière leur spawn en fait, donc ça va, c'est ok. Isaac, j'essaie d'ouvrir la porte aussi à ton niveau. Ah, attends, attends, je recharge. Doucement. Là, on peut faire. Ah, putain, la vache. Arrête. J'ai plus de vie, mon pote. Et 4 fois, tu m'as tapé quand même. Ah, oh, le bâtard. Ah, laissez-moi. Putain de saloperie. J'ai saisi mes codes, mais ça marche pas. Il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup. Oh là là, le butin, tous les jours. Toi, l'enfoiré dans le coin, là. Ouais, j'ai l'autorisation. Non, j'ai rien. Toi, gros tas de merde. Ouais, j'aurais envie de leur dire la même chose. Oh, cassez-vous. Laisse-moi, arrête. Ouais, c'est ouvert. Oh non, mais... Isaac, vite. Ah non, mais vous êtes combien? Vous êtes combien? Ils sont trop nombreux. Cours. Ah, mais je suis pas censé me les faire. Arrête. Ah ouais, qui c'est qui est pas censé se les faire là? Putain. Oh, je suis slow, sa mère. Oh, sa mère. Oh, dites-moi qu'il n'y a plus de butin, dites-moi que j'ai tout ramassé. Là, pas du loot. Oh. Ah, ok, on a réussi à tout ramasser. Ellie, vous êtes là? Toujours en vie? Fais chier, Isaac. Fais chier. Ça va aller, tout va bien. Tout va mal. Moi et une trentaine d'employés, on était là ce matin même. Et puis ils nous ont piégés. En une minute, ils se sont tous transformés. Quand j'ai fui, coupé en 1000 morceaux ce qu'il restait de mes amis. Je suis que tous leurs membres sont encore là quelque part. Ellie, je sais. Désolé. On court à la case départ. J'ai juste fait une boucle à la con aujourd'hui. On va s'en tirer. Essayons de nous retrouver. D'accord. Il y a une correspondance dans l'installation. J'ai les coordonnées. Bon. J'espère qu'il va rien lui arriver quand même à Ellie. Parce que je crois que c'est le seul personnage que j'aime bien. Personnage que j'aime bien qui m'aide, en fait. Donc, ça me ferait chier qu'il lui arrive un truc. Oh putain. Ouais, je dis ça, c'est à moi qu'il arrive des merdes. Transmission. Ici Caleb, géologue de l'équipe Langford 1. Quelque chose ne tourne pas rond. Déjà 3 morts chez nous, équipe 4 perdue. Voilà le transport. Tenez-vous prêts au cas où il serait plus. Ah, mais c'est Ellie qu'on entend. Votre poste est à Monton. Et je vous conseille d'en faire autant.
Ouais, c'est Ellie qu'on a entendu. Du coup, je ne connais pas Caleb, mais... Alors, je peux vendre... Ouais, tout ça. Ça dégage, ça dégage. Plasma, ça dégage. Ça, qu'est-ce que c'est? Balle chercheuse, ça dégage. J'ai pas forcément de la... Ça aussi, ça dégage les lames. Parce que j'ai pas de place pour ces conneries. Et je vais me racheter un point de force. Voilà. Et à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder un point de force tout le temps dans mon inventaire pour les salles de force. Parce que quelle saloperie de me les mettre à chaque fois à des endroits où je peux pas... En fait, à chaque fois qu'il y a des salles de force, c'est un moment où il y avait des... Il y a eu plein de points de force, hein, pas de soucis, mais je les ai tous claqués, genre 5 à 10 minutes avant. Et ça, c'est la définition du foutage de gueule. J'ai vu un truc sauter vite fait, là. Alors, à moins que je sois devenu complètement taré, entre-temps. Ah tiens, allez, virou de force, allez. Voilà, hein. Ça, on l'a senti à 10 km. Tenue niveau 5. Bon, ça, tenue niveau 5. En plus, ils m'ont refilé un point de force. Alors, des tenues niveau 5, mais j'ai jamais acheté d'autres tenues. Bordel, j'ai plus. Lentement mais sûrement. La technique du goulot d'étranglement, toujours aussi efficace. Mais ouais, par contre, si. Si dans l'histoire on en est à avoir tenu niveau 5, ça veut dire que. C'est con, mais ça veut dire qu'il y en a déjà eu 4 autres avant et qu'on est pas loin de la fin du jeu, quoi. J'ai vu un truc bouger. Lumière. Merde. Merde. Je manque un peu de muscle quand même avec Isaac là. Sorenson, tu m'entends? C'est Caleb, copain. J'espère que vous êtes pas loin. Il y a des membres découpés un peu partout ici. Caleb, réponds. Il y en a d'autres droit devant. Je peux les voir. Tout le monde avance, allez vite. Je vais en profiter pour revenir en arrière et pour aller donner les plans directement au marchand, histoire de me débarrasser et de faire de la place, parce que déjà là, enfin, ça fait 5 minutes que j'ai trouvé un marchand, je suis déjà plein, quoi, c'est ouf. Et il faut que je me débarrasse de la carte, de la stase, du schéma, et ce sera déjà pas mal. Les balles de fusil d'assaut aussi. Je pense que je les ai gardées un peu par réflexe parce que je les utilisais beaucoup dans le 1. Enfin, j'utilisais beaucoup le fusil d'assaut dans le 1, alors que là, pas du tout, 0-0. Je vais même stocker peut-être des soins. Voilà, comme ça, je garde un seul sur moi, ça sera pas trop mal. Ah, je peux même en vendre un. Voilà, je vais en vendre un, comme ça, je m'achète 2 points de force. 10% sur les objets du stock. 20 emplacements d'inventaire. Ah! Ah ouais. J'aurais pu me l'acheter. Non, je crois même pas que j'aurais pu l'acheter. Mais 20 emplacements quand même. Ça a l'air d'être plus que ce que les autres armures me proposaient. Oh, pas plus que ça. J'ai 15 partout. Non, c'est ok. C'est ok. J'ai juste rechargé mes armes. Et... Je sauvegarde et on y retourne.
Comme ça, j'imagine que... Alors normalement, si mes calculs sont bons, il doit y avoir... Enfin, il y aura un plan, une imprimante 3D pas loin. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu droit au point de force, j'ai eu droit à la salle de force. Et du coup, dans l'ordre des choses, c'est ce qui me manque. Qu'est-ce que c'est que ces merdes encore? Par contre, j'étais persuadé d'avoir rechargé mes armes quand même, là, donc... À moins que j'ai fait n'importe quoi. Ce qui est pas impossible. C'est encore un point de force. Je crois que je suis à presque 10, mais... Je l'avais pas vu au début, hein. J'étais en train de regarder l'écran, je me disais, putain... Elle est complètement timbrée à apparaître n'importe quand, et au final elle était sur les... au-dessus des serveurs. Putain. Très bien. Tu sais que tu vas avoir une... Tu peux avoir une tenue dans le chapitre 9. Oh. Bah là, je dois pas être loin, hein. Je dois pas être loin du chapitre 9. J'ai pas regardé quand j'ai sauvegardé, mais 8 ou 9, ça m'étonnerait pas. La porte est coincée. Elle attendra. Malheureusement, ça devait être fatal à ceux qui se trouvaient là. Tu peux ouvrir de ton côté? Non. Les circuits ont grillé. Tu me diras si t'es encore là? Ah, ok. Pas de soucis. Il va bien y avoir un moyen. L'autre solution, c'est de passer par la zone de traitement. Mais ce n'est pas vraiment conçu pour ça. Étape 3. Je devrais pouvoir arrêter les machines. Ok, fais-le. Je suis au chapitre 8. Oh, ok, ok, ok. Les étapes. Elle m'a demandé de suivre. Gardez l'esprit clair, Strauss. Je serai bientôt là. Ok, eh ben on va suivre les instructions. On va suivre les instructions de Ellie. Parce qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle fout. C'est déjà mieux que moi. Une mine des détonateurs. Ouais. Oh. J'en attends d'autres. Il y en a un autre derrière moi. Ah putain, il m'a... Ah oh ouais, filez-moi du combustible tous les jours, les gars, tous les jours. Ah, crever. Bon, moi, ils sont tous morts, c'est déjà ça. Enfin, je crois. J'espère. Alors, c'est quoi ce truc? Plan? Ah bah. Voilà. Alors, le lance-flamme, c'est non. Le méga PK, oui. J'aimerais rush les dégâts. Voilà, comme ça il est niveau max en dégâts. Et j'avais pile poil assez pour y arriver. Donc c'est pas trop mal. Comme ça après je chopperai les liaisons qui étaient sur le chemin. Mais pour l'instant je voulais juste au niveau max, quoi. C'est un peu dégueulasse. C'est une voie sans issue. On dirait les systèmes de ventilation. Bien, bien. L'extinction manuelle a verrouillé les valves de pression. Il faut trouver un moyen de la forcer. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis en train de faire le bon truc ou pas là? Où il y a encore quelque chose qui est en train de m'échapper. Je vais quand même voir s'il n'y a pas du butin qui flotte. Mais. Fixer les propulseurs par télékinésie. Comment ça? Comment ça? Vous voulez que...
Ah, comme ça? D'accord, ok. Il va se poser. Oh, il va se poser tout seul. Ah, mais c'est pour la refermer. Je vais la refermer ou je veux l'ouvrir? Merde. Ouais, bah putain. On va dire que c'était ça qu'il fallait faire, hein. On va partir du principe que c'était ça qu'il fallait faire. Je vérifie en même temps, hein, s'il n'y a pas de loot sur le chemin. Ça m'a l'air ok. Ça m'a pas l'air ok du tout. Vous voilà. Je crois savoir que votre ami est parvenu à éteindre le bâtiment. Rappelez-moi de la remercier pour m'avoir indiqué votre lutte. J'ai ordonné de condamner tout cet endroit avec vous dedans. Super. C'est fini, Clark. Vous ne pouvez pas faire ça, Tyneman. Au contraire, je vais le faire. Vous serez bientôt mort. Qu'est-ce que... J'ai pas mal serré les fesses quand même. Merci. Ça marche même de faire de la télékinésie sur eux pour choper du butin quand il n'y en a pas. Excellent. Par contre, ils me filent tous des modules de stase, mais je m'en fous un peu. Ah oui, W, ça marche vraiment. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien compliqué, ça. Ok. Voilà. Ah putain, il est pas mort. Oh, what the... Voilà. Là, vous êtes décédé. Bien comme il faut. Je me secoue pour un peu de butin. Tideman m'a complètement effacé du système. Mes codes ne fonctionnent plus. Tu plaisantes. Oh merde. Quelque chose approche. Strauss, viens m'aider, bon sang. Vous devez le voir. Vous devez suivre les étapes. Quoi? Non! Ferme-la et aide-moi! Putain, merde! Eh ben, on aime bien jouer sur le fil du rasoir dans ce chapitre, dis donc. C'est ce que je voulais faire. Oh, mais quel galérien je suis. Ah, je peux même pas secouer son cadavre. Si, bon, au moins un. L'autre, par contre, il a disparu dans le néant de... Il faut que j'ouvre la porte. Très bien. Alors, dans quel sens? On va dire que c'est celui-là. Il n'y a rien d'autre? Ouais, c'est vraiment... Le coup de W... Pour se remettre dans le bon sens. Il fait mal aux yeux. Mais bon. C'est ok. Oh putain, quoi, sans déconner. Déconner.
Oh putain. Crache rien s'il te plaît, crache rien. Non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Ah bordel. J'ai vraiment pas l'arme qu'il faut pour ça. Voilà. Ok. Ouais. C'était pas le coup de fusil à pompe, le truc le plus utile du monde. Du coup, j'ai utilisé le tir secondaire et ça a très bien marché. Ah ouais. Je peux pas mettre un. Si. Un petit coup de lance-flamme, c'est bien. Que ça me consomme vraiment pas de balles. Vous allez bien ? Pas vraiment ! Il tape trop de Ellie ! Strauss, par la porte ! Grouille ! Retenez-les, je suis pas loin ! Ah, mais j'étais à l'envers depuis tout à l'heure en fait, d'accord. En fait, ils me mentent avec le raccourci W pour se mettre à l'endroit. Hein. Sortie zone sans gravité. Bon. Mais il a buté ses potes pour de vrai ou c'est juste un coup de chance et il y avait juste des alliés qui sont passés dans le coin il y a quelques minutes, heures. Hein. Bienvenue en un seul morceau. Ça va ? Oh. Ouais. Il y a 4 étapes. Malgré l'autre folle dingue. 1, 2, 3, 4. Étape 4. Elle attendra. Bon sang, Strauss. Vous allez bien ? Il en a pas l'air. Il y a quoi en 4 ? Qui attendra ? Après Lévis. Après la piqûre. Elle attendra là. Il n'y a rien à en tirer. On se remet en route. Il y a une navette plus haut. Compatible avec les voies du tram public. Elle devrait nous mener au siège étatique. Quelqu'un devra la déployer du dépôt. Regarde fixe. J'y vais. Des questions. Je connais pas. Reste là et essaie de le remettre sur pied. Ça va, on lui file pas le boulot le plus casse-couille de l'univers. Bon alors par contre, ouais. Par contre, je suis en train de voir l'heure qu'il est et je vais pas tarder à m'arrêter, je pense. Parce qu'il est 22h30 et après il faut que j'aille rejoindre un groupe. Donc je pense que... Ouais, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vu la sauvegarde là à l'instant. À 30 cm de moi. Comme ça voilà, on a réussi à retrouver Ellie, tout va bien. J'ai quelques munitions. Je recharge toutes mes armes et puis je vais sauvegarder, je vais m'arrêter là. Ok. Comme ça, ça fait déjà une bonne petite session de 3 heures, c'est déjà pas trop mal. Et voilà, on a déjà bien avancé, je trouve. Ah, mais j'ai pas de marchand pour lui filer les... Pour lui filer les plans. Oh. Peut-être qu'il y en aura un plus tard. Bon, c'est pas bien grave. Alors, j'en suis à où? J'ai que 4 heures de jeu. Oh, des fucks. Même pas. Si. Je suis à chapitre 8, 5 heures de jeu. Ah ouais. Il est plus court que le premier, peut-être ? Je sais pas. Bah après, je suis peut-être pas à la fin, quoi. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Du coup, je vous souhaite bon jeu, bonne soirée, amusez-vous bien. Et puis, bah, à la prochaine. Hein. Allez, ciao, ciao. Quand le prochain live ce sera on est de toute façon on est quoi, on est samedi soir? Bah demain.
Alors, entre le matin, ouais, je vais pas te mentir, entre le matin ou l'après-midi, ça, je ne peux pas le déterminer à l'avance. En fait, ça dépendra de à quelle heure on termine ce soir. Ouais. Parce que si on finit tôt, si on finit avant minuit, à mon avis, à 10h, c'est jouable. À 9h, 9h, 10h, ce sera jouable. Si on finit après minuit, c'est même pas la peine pour le matin, quoi. Il faut oublier, il faudra un plan B. Mais voilà, mais demain c'est sûr. Demain c'est sûr, hein, il y aura la suite de Dead Space. Et peut-être la fin, hein. Qui sait? Qui sait, qui sait? Ça dépendra de combien d'heures je pourrai investir dans la journée, mais voilà. Du coup, je vais y aller. Alors, bonne soirée, bon jeu, amusez-vous bien, et puis à demain alors. Allez, ciao ciao.